Ça tourne, 5, 4, 3. Bon courage. Applaud. Reste encore large. Eh, t'as mis en sueur tout le monde. Vas-y. Bonjour et bienvenue. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ce délire? Rassure-elle. WTF. Rassure-elle, rassure-elle, rassure-elle. Sur les moments les plus fous de ces derniers jours, du live, du sexy, de l'insolite, bien sûr. Et on commence tout de suite avec la plus what the fuck de l'année. Bonjour chers amis, aujourd'hui je suis sur le plateau de l'Académie audiovisuelle tenue par Monsieur Richard Joffaut. Et je vais vous le présenter, il est là. C'est un plaisir et un honneur de pouvoir être avec lui aujourd'hui. Merci de m'avoir invité sur ton plateau. Merci d'être venu nous voir. Merci parce qu'il y a une superbe énergie lors de tes formations. Alors merci. Tu formes bien entendu toute personne qui le veut au métier de la télévision. C'est ça. Quand je dis au métier, c'est au pluriel. Oui, oui, plusieurs métiers, animateur, producteur, concepteur de programme, chroniqueur, journaliste audiovisuel, en effet, oui. Et donc, j'ai apprécié ta façon pédagogique, un petit peu paternaliste, très absolument proche des humains, de donner ta formation. Si tu vas au-delà de la formation, tu donnes même des enseignements de vie, et j'ai adoré. Ce qu'il faut savoir, c'est que Richard, ça fait des années qu'on se connaît maintenant, et donc, pas pour cette série de vidéos-là, parce que ça, ce sont des vidéos que je prends comme ça à bout de bras, mais quand je fais des vidéos un petit peu plus institutionnelles, avec le pied, c'est Richard qui m'a donné pas mal de tuyaux pour m'améliorer, pour améliorer mon image. Oui, mais vidéo. Il a fait beaucoup de chemin depuis, il n'a plus besoin de conseils. Mais c'est grâce à toi. Donc, Richard est mon mentor en images audiovisuelles. Je tenais à le dire ici en public, parce qu'il faut savoir dire merci, et je tiens à te dire merci. Et je voulais juste que Richard partage avec vous quelque chose qu'il a dit ce soir auprès de tous ses étudiants. Il a parlé de la critique, parce que bien entendu, quand on est dans une école, eh bien, la critique est une étape inévitable. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs quelle est ta définition de la critique. Parce que pour toi, c'est un cadeau. Ce que j'ai dit, c'est que la critique est un cadeau. Parce que, quelles que soient les raisons pour lesquelles on vous critique, si c'est pour vous donner des conseils, ben forcément, c'est un cadeau. Parce qu'on va vous expliquer pourquoi on vous critique. Et dans le meilleur des cas, on va également vous dire comment faire mieux et comment faire en sorte que la fois d'après, on ne vous critique plus. Mais celui qui veut vous critiquer pour vous rabaisser, il faut vous interroger et vous poser la question de savoir pourquoi cet homme-là qui vous connaît peut-être, cette personne-là qui vous connaît peut-être, a décidé de vous critiquer pour vous rabaisser. Quelle satisfaction il peut en tirer? Eh bien, c'est quelqu'un qui n'en tire pas de satisfaction. C'est quelqu'un qui vous fait un cadeau là aussi, parce que quand on vous critique pour vous rabaisser, ça veut dire quoi? Ça veut dire je t'admire et ça m'insupporte. Ça veut dire je t'admire tellement que je ne supporte pas de t'admirer. Et à cette personne qui vous critique pour vous rabaisser, ne répondez pas avec agressivité, considérez que c'est un cadeau, prenez en considération ce qu'il vous dit. Alors que lui, il n'a pas fait cette critique pour vous donner un conseil, il a fait cette critique parce qu'il est pour lui insupportable de vous admirer. Eh bien, cette personne-là, prenez au premier degré la critique qu'il vous donne, et dites-lui, tu as raison, je vais faire un effort pour essayer de corriger ça. Alors, s'il est sincère, bon, ben, on en restera là. S'il n'est pas sincère, ça va l'énerver un petit peu, et c'est peut-être que là, d'une façon amusante, vous aurez votre revanche, mais en tout cas, il n'y aura jamais de conflit. Merci Richard pour cette sagesse. T'en prie. Je voulais vraiment que tu fasses ce cadeau à mes auditeurs. Merci beaucoup parce que c'est juste une toute petite pépite parmi toutes les pépites que j'ai entendues ce soir. Oui. Tes élèves ont beaucoup de chance de t'avoir. Merci. Et puis merci pour tout ce que tu as fait pour moi encore jusque-là. Et merci pour ton amitié. Je tenais à le dire devant tout le monde. Je te remercie. Et puis c'est moi qui ai beaucoup de chance de les avoir parce qu'ils ont ce qui ne s'apprend pas. Exactement. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. À bientôt. Ciao.